Bonjour, je m'appelle Thibault Laroche-Joubert, je suis associé chez Capital Mind et je vais vous parler de l'opération Sopral. Alors Sopral, c'est une société qui est spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation de pet food, c'est-à-dire d'aliments pour chiens et chats, mais également pour chevaux. La société a deux outils de production basés en Bretagne et réalise un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires partout dans le monde. En 2018, le groupe Avril, donc à l'époque actionnaire de cette société, engage la réflexion du devenir stratégique de cette filiale et fait finalement le constat de ne pas vouloir jouer le rôle de consolidateur et décide alors d'engager un processus de cession. Processus qui nous a été confié et qui nous a amené à échanger avec à la fois des acquéreurs stratégiques mais également des fonds d'investissement. C'est un processus qui a engagé beaucoup de compétition et c'est finalement les fonds d'investissement, en l'occurrence ParQuest Capital, qui a su le mieux répondre au cahier des charges de cette opération, à la fois pour le groupe cédant, le groupe Avril, mais aussi pour l'équipe de management. Mais finalement, le mieux pour en parler, c'est d'écouter Yannick Guéot, président directeur général du groupe Sopral. C'est toujours un peu surprenant quand vous êtes, comme moi, vous l'avez dit, pendant 30 ans, un cadre dirigeant ou un cadre, on va dire, dit supérieur d'un grand groupe, vous retrouvez comme ça, céder des activités. J'avais des questionnements. J'ai découvert Capital Mind au travers de cette session. J'ai dû les rencontrer au mois d'avril, un truc comme ça. Au mois de mai, on commençait un peu à travailler et à partir du mois de juillet, on a fait les roadshows. Donc, ça s'est passé assez facilement. Un cédant et un repreneur, si vous n'êtes pas un go-between, c'est quand même un peu compliqué. C'est quelqu'un qui doit normalement à la fois cadrer, vous laisser assez de liberté pour pouvoir vous exprimer, mais en même temps pouvoir recadrer le débat, tout en ayant en pensant aux différents intérêts des différentes parties. Donc le fait d'avoir quelqu'un comme, ou une structure comme Capital Mind, permet, de fait de ses compétences, de synthétiser et de préparer des dossiers de la meilleure manière possible pour des acquéreurs potentiels. Deuxième sujet, c'est que comme ils ont l'habitude de ce genre de transaction, ils peuvent préparer le patron que je suis, mais aussi les équipes dirigeantes, à quelle va être la démarche. On travaillait assez rapidement en confiance et c'est hyper important. Ce que j'ai apprécié, c'est ce côté proximité. Il y a ce côté valeur humaine. Ils ont créé assez rapidement ce que j'appellerais moi une espèce d'alchimie, si vous voulez, en tenant compte des intérêts de chacun. Il faut tenir compte des intérêts du cédant, il faut tenir compte des intérêts, bien évidemment, du repreneur potentiel et quelque part, les forces vives de cette entreprise. Et dans ce cadre-là, Capital Mind a bien évidemment aidé à démystifier, je répète encore, ce genre d'approche parce que leurs explications, la façon pédagogique d'expliquer le processus, de montrer quel pouvait être aussi l'avenir de tout à chacun dans ce genre de reprise. Il y avait une motivation pour quelque part un futur qui serait à la fois différent, mais probablement plus intéressant et peut-être plus grand pour les différentes parties de l'entreprise. Je pense qu'ils avaient et ils ont la capacité d'être extrêmement à la fois adaptables et réactifs. En fonction, je dirais, des repreneurs qui arrivaient en cours de route, ils ont été capables aussi, quelque part, de changer et assez rapidement, soit de discours, soit de comportement. Ce sont les bonnes personnes au bon endroit pour le bon business. Et puis, ce que j'ai beaucoup, moi, apprécié, je le dis comme je le pense, ce sont aussi des gens extrêmement compétents dans leur domaine et des gens extrêmement passionnés par les métiers dans lesquels ils vont rentrer pour le compte d'un cédant ou pour le compte du repreneur. Et ça, c'est hyper important parce que ça se vit un peu avec les tripes et je pense qu'aujourd'hui, moi, les gens que j'ai rencontrés chez Capital Mind, ils travaillent avec leurs tripes. Assez rapidement, on s'aperçoit que, en fait, ils ont un costume, comme on dit, mais que sous la carapace de ce costume-là, ce sont des êtres humains très, très conviviaux. Ce sont des gens profondément humains et que j'aime bien, indépendamment de leurs compétences. Il n'y a pas que la compétence, il y a aussi, je dirais, tout le vécu qu'il peut y avoir derrière, chez eux et chez nous, et je trouve ça intéressant. On n'est pas simplement, un carnet de chèques.